Le Sénégal, troisième marché pétrolier de l'Afrique de l'Ouest, avec une consommation d'environ 1,8 à 2 millions de tonnes d'hydrocarbures, s'est doté d'une nouvelle plateforme logistique de stockage de produits pétroliers, la Sénégalaise de stockage. Celle stock, la Sénégalaise de stockage, est une société qui a été créée en 2008 et qui a démarré en réalité ses activités en août 2010. Donc, elle a pour actionnaire le groupe Diprom qui détient les 55%, la société Total Sénégal qui détient les 25% et la société africaine de raffinage, la SAR, qui détient 20%. Après le démarrage de ses activités en août 2010, Senstock offre une gamme de prestations qui intègre la réception de produits pétroliers raffinés liquides provenant de la production de la SAR ou des importations par tanker. Leur stockage dans les conditions optimales de sécurité et leur distribution sur le marché national et sous-régional aux différents opérateurs. Senstock a trois sites opérationnels. Il y a ce site, le site de Mbao, qui est un dépôt terrestre, produits blancs et produits noirs. Nous avons un autre dépôt terrestre, produits blancs, qui est au kilomètre 4-5 boulevard du Centenaire. Et nous avons un troisième dépôt portuaire. Nous avons suffisamment de capacité pour recevoir les produits de la Sénélec et également les distribuer dans les centrales. Dans le cadre du plan Dakar, parce qu'il y a des projets de développement de moyens logistiques. Nous sommes en train donc d'étudier, de lancer bientôt la construction d'un pipeline entre notre dépôt du port et la centrale de Bélair. Pour mener à bien sa mission, la Sénégalaise de stockage ne cesse de mettre l'accent sur la sécurité des personnes et des biens à travers la mise en œuvre de la norme hygiène, sécurité, environnement, qualité. Nous avons des défenses contre l'incendie qui sont dimensionnées suivant les tailles de ces sites-là, donc qui sont complètement en norme. Pour assurer la satisfaction de ses clients, un contrôle systématique et quotidien est fait sur la qualité des produits stockés sur tous les sites. Fort de ses performances, Senstock se projette déjà sur de nouveaux chantiers. La politique toujours de l'État dans le secteur de l'énergie, c'est de tirer profit de la position stratégique du Sénégal en tant que hub de point de déclenchement vers la souveraineté. Donc, il y a des projets qui sont prévus justement pour développer des capacités supplémentaires. Donc Samsung reste inséré dans cette vision. La Sénégalaise de stockage, un acteur majeur au cœur du secteur pétrolier.